Bonjour. Eh bien, avec André Lacroix, on va répondre à cette question provoque. Le Dalaï Lama ment-il? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il au Tibet? Y a-t-il de la propagande et des mensonges là-dessous? André Lacroix, comment ça se fait que vous vous êtes intéressé au Tibet? C'est un peu bizarre. Ben, c'est une vieille histoire. En fait, ça remonte à une vingtaine d'années, lorsque ma fille, qui a voulu apprendre le chinois quand elle n'avait pas encore 12 ans, et puis une fois elle a passé beaucoup d'années en Chine, et une fois terminée ses études à l'INALCO à Paris, elle nous a dit, c'était en juin 1999, 1999, elle nous a dit, papa, maman, si vous voulez faire un grand voyage en Chine, c'est maintenant ou jamais. Alors, on a consacré pratiquement les 2 mois des grandes vacances de l'été 1999 à parcourir la Chine en tous sens. Et notamment, on est descendu depuis le Xingai, le couloir du Gansu, le Sichuan, le Yunnan, la frange contiguë à la région autonome du Tibet, où les Tibétains sont constitués la principale minorité. Et à ce moment-là, moi, comme beaucoup d'Occidentaux, sur la foi du Lonely Planet, je pensais que les Tibétains étaient victimes de génocide culturel. Alors, première interrogation, j'ai vu plein de monastères riches et en cours d'embellissement, j'ai vu l'omniprésence des moines et également la vitalité des manifestations, tant profanes que religieuses. Et je me suis dit, bon, comment c'est possible? Alors, rentré au pays, je me suis intéressé à la question, j'ai lu pas mal de bouquins. Et au cours de mes lectures, je me suis rendu compte que le bouddhisme, et le bouddhisme tibétain en particulier, n'était pas seulement une sagesse, de la compassion, de la sérénité, mais comportait également des aspects de religion prosélyte, alors même parfois jusqu'à l'appel à la guerre sainte. À la guerre sainte, Oui, le djihad bouddhiste. oui. Oui, exactement. Oui. Et donc là, il y a une vocation de tibétologue sur le tard, parce que vous êtes Oui, plutôt jeune non, et vous tout à vous êtes fait. mis Mais oui, tibétologue. tout à fait. Oui, enfin, alors, en 2008, autre prise de conscience chez moi, c'est j'étais frappé par la vague d'hystérie collective anti-chinoise qui s'est emparée de la classe médiatique et politique française à l'occasion du passage de la flamme olympique à Paris. On a beaucoup diffusé, pardon, l'image de sa sainteté qui est présentée comme un guide spirituel, un gourou, un homme de paix, bienveillant. Oui, Et c'est pas mais ça. Il y a autre chose il derrière. y a autre chose derrière. C'est aussi le porte-drapeau et le représentant type d'une théocratie extrêmement cruelle. Une théocratie, c'est-à-dire que avant la révolution chinoise, qui, Oui. rappelons-le pour les jeunes, est arrivée en 49 et a Oui. libéré le Tibet, avant ça, il y avait quel régime au Tibet? Ah, c'est un régime tout à fait féodal et théocratique. Donc les moines constituaient la classe dirigeante. Oui, les moines d'un certain niveau, hein, parce qu'il y avait aussi les moines de basse classe qui étaient dans une condition assez modeste et lamentable, mais l'aristocratie laïque, pour autant qu'on puisse parler de l'aristocratie laïque au Tibet, et les lamas de haut rang se partageaient la totalité ou la quasi-totalité des terres au Tibet, et c'était une puissance économique et sociale Ah oui, considérable. donc c'était carrément un écart riche-pauvre et le Oui, 1% qui gérait le pays. Exactement. Oui. Enfin, peut-être un peu plus de C'est 1%, mais pas enfin, oui. tout à fait comme ça qu'on nous présente des Ah moines ben non. Ah non, désintéressés, bien sûr, mais non. recherchant la Ben spiritualité, non, oui. etc. Ben non, mais il faut aller voir sur place pour se rendre compte, encore maintenant. Oui, mais bon, tout le monde ne Oui. peut pas y Non, c'est aller, c'est pas vrai. bon marché, donc on va essayer justement de raconter parce que vous avez publié là Dharam Salad, Les masques tombent, un petit bouquin dont on va parler, que je vous recommande, on vous dira d'ailleurs où vous le procurez. Et donc le Tibet vous a accroché, mais l'image qu'on nous a donnée, c'est que
Les Tibétains vivaient heureux avant, et depuis que les méchants chinois sont arrivés, ça s'est gâché. Comment ils vivaient les paysans tibétains avant? C'était un régime extrêmement pauvre. L'arriération sociale et technique était telle qu'on n'a pas. On n'a pas dit, c'est difficile de l'imaginer. Par exemple, la mortalité infantile était évacuée à 40%. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. 40% de Oui, mortalité infantile. l'âge moyen était de un peu plus de 30 ans. Les maladies, y compris les maladies vénériennes, faisaient des ravages effrayants. Les cerfs fugitifs, lorsqu'ils étaient repris, ils pouvaient subir l'énucléation, c'est-à-dire En arracher les yeux. arracher les yeux, l'amputation de membres. La plupart des gens étaient liés jusqu'à la fin de leur vie par des dettes qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Enfin, Donc il y avait des tortures et une oppression très forte, et donc le Dalaï Lama, et c'est plutôt ses prédécesseurs, parce que lui était tout jeune quand il est venu au pouvoir. Donc les prédécesseurs du Dalaï Lama, c'était une caste très brutale et beaucoup de tortures et de répression physique. Donc pas du tout l'image qu'on nous présente Non, ici. bien sûr. J'ai ici une image. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer de quoi il s'agit? Voilà, c'est probablement un cerf fugitif qui a été rattrapé et qu'on a amputé du bras gauche. Des images pareilles, il y en a plein. Il y a même un musée à Shigatsé où on voit notamment les instruments de torture qui étaient utilisés couramment. Par les responsables, Par l'élite. par l'élite, oui. Ouais, d'accord. Bien. Alors, quand on a annoncé l'émission, on a dit qu'on allait répondre à cinq médias mensonges sur le Tibet. Le deuxième, on a dit, est-ce que le Dalaï Lama a été chassé du Tibet par les Chinois en 1959? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien, il faut savoir que en 1951, ou en mai 1951, la jeune République populaire de Chine a conclu avec les représentants politiques tibétains un accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet qui comportait la reconnaissance par les Tibétains qu'ils faisaient partie de la Chine et en contrepartie, les Chinois s'engageaient à ne pas bousculer Faire leur. partie de la Chine, ce point est controversé. On dit souvent en Occident que la Chine annexe le Tibet. Mais enfin, écoutez, alors il faut dire aussi que la Chine annexe la Bretagne, le comté de Nice. Enfin bon, et le Tibet fait partie de la Chine depuis bien plus longtemps que Oui, donc comme la France a fusionné plusieurs régions, c'est la même chose. En fait, lorsqu'on parle de ce problème-là, il faut se souvenir que le Tibet, effectivement, a été indépendant. Mais c'était entre l'an 622 et l'an 842. Bon. Là, de fait, c'était un véritable empire qui a même rivalisé avec l'empire chinois, au point que les Tibétains ont même envahi l'empire chinois. C'était sous les Tang à l'époque. Ah oui. Et alors, l'empereur chinois de l'époque, pour essayer d'arranger les choses, a confié sa fille, une princesse, qui est devenue l'épouse du roi du Tibet. Bon, Ok, mais alors, donc, c'est ça, oui, mais donc. après ça, le Tibet a été partie intégrante de la Chine. Mais oui, Et c'était reconnu internationalement. oui, c'est ça. Alors, en 842, le régime des Toubous, c'était les Toubous qui étaient les rois les rois du Tibet, ce royaume est tombé à l'eau, et puis s'en est suivi toute une série de. Une époque d'anarchie, enfin, de troubles, jusqu'à ce que la dynastie mongole des Yuan
ne reprennent possession de l'Empire. Et puis, ce fut sous les Ming, et puis sous les Qin, les Manchus, et avec des degrés plus ou moins. D'accord, mais j'aurais pas dû rouvrir le chapitre de l'histoire avant, on va se concentrer sur l'époque de maintenant. Oui, d'accord. Donc, en 1959, il se passe quoi? Ah, en 1959, d'abord, avant 1959, il y a 1954. Mm-hmm. Le tout jeune Dalai Lama, il est né en 35, donc il avait 19 ans à l'époque, a été invité par Mao Tse-tung. Il était reçu en grande pompe à Pékin par Mao Tse-tung et Chou Enlai. Il a même été nommé vice-président de l'Assemblée nationale du peuple. Mmh. Il a prononcé un discours où il faisait part de son admiration pour les réalisations de la jeune République chinoise. Ah oui. Et en donnant, en tout cas... Donc, à ce moment-là, les relations sont bonnes. Mais oui. Et il ne se plaint pas que la Chine est brutale. Et alors, mais revenu... Il a même écrit un poème à la gloire de Mao Tse-tung, c'est vous dire. Il était, et encore aujourd'hui, il dit qu'il se sent un marxiste en robe de moine. Enfin bon, d'accord. Fermons la parenthèse. Il revient au Tibet après avoir été reçu en grande pompe par les communistes. Il revient au Tibet avec, je le crois personnellement, l'intention de moderniser le Tibet. Mmh. Et là, rentrer. Le faire sortir de la pauvreté et profiter de la Chine pour. Et alors, il a été, je crois, sous la coupe de ses frères aînés et de toute la hiérarchie des gens qui ne voulaient absolument pas perdre leurs privilèges et qui considéraient que les communistes étaient le diable. Et à ce moment-là, malheureusement, il n'a pas eu la consistance, je dirais, la force de dire non, moi, je me suis engagé à moderniser le pays. Et. Il a été récupéré. Est-ce que c'est uniquement l'élite tibétaine ou est-ce que les États-Unis, dans les années 50, ont joué aussi un rôle là-dedans? Parce qu'on doit rappeler pour la jeunesse que quand Mao et les communistes libèrent la Chine après une très longue occupation, une très longue guerre populaire, les États-Unis refusent de le reconnaître, protègent un régime fantoche qui s'est réfugié à Taïwan et vont commencer un blocus et tenter de saboter la Chine qui est vouée sortir de la pauvreté. Ça vous dit tout à fait vrai, puisque l'ambassadeur, on a des textes maintenant de l'ambassadeur des États-Unis à Delhi, qui promet au Dalai Lama de l'argent et des hommes s'il quitte le pays. Donc, le petit... Ça, c'est jamais dit en Occident, ça. Le jeune Dalai Lama, sous la pression à la fois de sa hiérarchie et des vieux moines qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges, et des Américains qui voyaient dans cette occasion la chance de s'en prendre à la Chine, il a fini par s'enfuir. Parce que c'est une véritable fuite, non sans qu'au préalable, les dignitaires tibétains aient planqué le trésor du Potala dans les caves du Maharaja du Sikkim. Ah oui, d'accord. Donc il y avait du fric là en dessous. Oui. Alors, d'accord. Une fois arrivé en Inde, le jeune exilé Dalai Lama, première chose qu'il a fait, c'est supprimer... déclaré caduque l'accord en 17 points. Il est revenu sur sa parole. Sous le fallacieux prétexte qu'il aurait été signé sous la contrainte, ce que les grands tibétologues aujourd'hui ont démontré, c'était complètement faux. Bien, alors pour comprendre ce qui se passe dans les années 50 et le rôle des États-Unis, j'ai ici une petite photo qui montre quoi? C'est une photo de 72 ou 72 pour nos amis français. Ouais. Elle montre quoi? Le Dalai Lama et le major général Uban. Oui, c'est ça. En fait, on voit le jeune Dalai Lama passer en revue les troupes de la Special Frontier Force, composées essentiellement de guerriers tibétains qui entendaient faire des coups de force au Tibet et tenter de récupérer le territoire. Mais
En fait, c'est intéressant parce que ça montre que la prétendue non-violence perpétuelle des Tibétains, c'est un bobard. Mais en plus, il faut dire que ces commandos n'ont jamais eu beaucoup de succès parce que pour qu'il y ait du succès, il fallait l'appui des populations locales, ce qui n'était pas le cas, étant donné que la plupart des gens avaient vu leurs dettes supprimées ou considérablement diminué et n'avait aucune envie de retourner sous l'ancien régime théocratique. Et la deuxième condition, c'est qu'il aurait fallu un appui massif des puissances étrangères, mais les États-Unis à ce moment-là ont bien compris qu'il était beaucoup plus rentable pour eux d'entretenir le Tibet comme abcès de fixation sur les flancs de la Chine, d'abord dans le contexte de la guerre froide, et puis aujourd'hui dans le contexte de la rivalité. Oui, les États-Unis ont toujours été avec le Dalai Lama. Ouais. Est-ce que c'était entièrement désintéressé ou il y avait de l'argent aussi là en dessous dans les années 50-60? Mais le Dalai Lama a bien dû reconnaître qu'il avait été largement financé par la CIA. D'accord, donc par les services secrets des États-Unis. Il continue à l'être aujourd'hui par le New Endowment for Democracy, le NED, oui, qui est la nouvelle couverture c'est de la CIA. C'est ça, avec, oui, on a... Et donc, encore maintenant, il reçoit de l'argent de la CIA. Oui. Bien, ça c'est quand même quelque chose qui n'est jamais dit dans les médias occidentaux et dont il faut tenir compte quand quelqu'un parle, il faut voir les dollars derrière. J'ai une petite interruption. Oui. Nina nous communique, Michel, merci de traiter ce sujet. Le Dalai Lama est controversé, mais SVP... La pratique du bouddhisme, qui n'est pas une religion, puisque sans Dieu, ça change tout, fait des miracles. Bien, donc une distinction, on est en train de parler du Dalai Lama, mais ça ne concerne pas les croyances des bouddhistes. Ce sont des choses... D'ailleurs, il y a beaucoup de bouddhistes qui ne reconnaissent pas le Dalai Lama, il me semble. Oui, bon... Quel que soit le point de vue personnel qu'on a sur ces questions-là, oui, c'est vrai. C'est pas de ça qu'on parle maintenant, on ne parle pas du bouddhisme, on parle du Dalai Lama précis. C'est ça, hein. Oui. D'accord. Oui, il faut dire d'ailleurs que le Dalai Lama... Bon, il est le leader spirituel d'une école du bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain étant lui-même très largement minoritaire dans le bouddhisme mondial. Et il se fait que par un tour de force extraordinaire qu'il confie au génie, il a réussi à faire en sorte qu'il apparaisse aujourd'hui aux yeux des Occidentaux comme le pape du bouddhisme, alors qu'il n'en représente même pas 1%. Ok, voilà qui est intéressant aussi. On verra un petit peu tout à l'heure si on peut tirer des conclusions sur qui, au fond, a fabriqué le Dalai Lama et ce mythe. Mais on va d'abord examiner un ensemble de faits. On nous a dit qu'il y a un chiffre qui circule beaucoup sur certains pays dont on nous parle. Il y a toujours des chiffres très précis. Et là, dans le cas du Tibet, on nous dit que 1,2 million de Tibétains ont été victimes de l'oppression chinoise. Là, je crois que c'est parmi les fake news qui circule à propos du Tibet, je crois qu'elle mérite le hit parade. Qu'en est-il ? Ça repose sur quoi ? Ça repose sur une fabrication qui s'est faite à Dharamsala, donc le siège actuel du gouvernement tibétain en exil, au point que, il a fallu qu'un journaliste et historien anglais, qui s'appelle Patrick French, et qui était lui-même... très favorable au Dalai Lama, au point qu'il était président du Free Tibet. J'ai aussi ici photo de Patrick French. Voilà. Donc, il était président d'une association qui défendait la ligne du Dalai Lama. Tout à fait. Mais comme c'est quand même un type intelligent et honnête, ça lui paraissait quand même un peu bizarre, le chiffre de 1 200 000 victimes des affreux chinois. Et comme il était bien introduit dans les... à Dharamsala. Il était donc du côté, au départ, du gouvernement du Dalai Lama. Il a obtenu de pouvoir, d'avoir accès aux archives. Et là, il s'est rendu compte, il a ouvert des yeux comme des soucoupes en constatant que les chiffres avaient été complètement bidouillés. Certains décédés étaient décédés 10 fois. Enfin, il était tellement estomaqué, il a raconté ça dans son livre « Tibet, l'histoire personnelle d'un pays perdu ». Il a raconté et il était tellement choqué que lui, qui était vraiment un
partisan du Dalai Lama, il a démissionné avec perte et fracas de la présidence de Free Tibet. Bien. Pourquoi est-ce que tout ça n'est jamais dans les médias en Occident? Mais bon, là, on ne va pas expliquer à leur place. Alors, on nous dit souvent que les Tibétains ne sont plus chez eux, qu'en fait, ils sont envahis par les colons Han, les colons de l'ethnie majoritaire en Chine, et que les Tibétains sont minorisés. Qu'est-ce qu'il en est ? Ce qui peut donner cette impression, peut-être, c'est le formidable succès touristique que le Tibet connaît maintenant, notamment grâce à la ligne de chemin de fer Shining Lhasa, qui fait qu'il y a beaucoup de Chinois qui viennent au Tibet comme touristes. Il y a plusieurs millions de types de Chinois qui viennent au Tibet comme touristes chaque été, disons. Mais, bon, ce sont des touristes. En fait, les résidents, bon, il faut distinguer, je crois, nettement entre la région autonome du Tibet, où les Han constituent environ 7 à 8% de la population. Seulement. Oui. Ils donnent peut-être l'impression d'être plus nombreux parce que ceux qui sont là sont établis dans les villes et leur présence est peut-être plus visible. Les commerces Les commerces, mais de plus en plus maintenant, on voit des Tibétains qui commencent aussi à s'organiser et à accéder aux postes intéressants. Le niveau de vie du Tibet, il augmente Il augmente de manière foudroyante, au point que les gens, enfin c'est pas mon cas, mais les gens qui ont connu le Tibet il y a 20-30 ans ne le reconnaissent plus. Tout simplement. D'accord. Alors, donc, ils bénéficient du développement qu'il y a en Chine. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup dit, c'est que Pékin essayait de faire en sorte qu'il y ait moins de Tibétains. Moi, tout le monde sait qu'il y avait une politique à un moment donné en Chine, un seul enfant par famille. Ah, oui. Et qu'en était-il du Tibet ? Le Tibet, comme les autres minorités, n'a jamais été soumis à la règle de l'enfant unique. Eux pouvaient y aller. Il y a pas mal de familles tibétaines. Okay. Mais à propos toujours de la population, il faut bien dire, bon, j'ai parlé de la région autonome du Tibet, mais dans toute la frange qui est limitrophe, et là où les Tibétains constituent la minorité la plus importante, il faut bien se rendre compte que c'est un patchwork incroyable. Il y a des Han, des Mongols, des Lhasa, des Mamba, des Nash. C'est des régions très mélangées, comme on en a aussi en Europe. Exactement. De plus en plus. Je dirais que pour les Belges, ils comprendront, ils diraient que c'est Bruxelles, Alville-Vorde, mais à la Xème puissance. C'est assez. Donc là, c'est vrai que les Tibétains. Que les Tibétains sont moins majoritaires que... Donc, ils constituent la minorité la plus importante. Mais ce n'est quand même qu'une minorité, si bien que la revendication du Dalai Lama de constituer un grand Tibet englobant la région autonome du Tibet et les régions limitrophes constitue une... Est-ce qu'on peut un peu expliquer ça? Le Dalai Lama, c'est un guide spirituel, mais donc il a un programme politique... Où il veut quoi ? Il veut un grand Tibet ? C'est quoi ça ? Mais lorsqu'il y a eu des négociations après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, Deng Xiaoping a même voulu mettre le problème tibétain derrière lui, et il avait même envisagé le retour du Dalai Lama. Et les négociations n'ont pas abouti, essentiellement parce que la délégation tibétaine ou les représentants des régions limitrophes étaient tellement puissants, ont mis comme revendication sur la table la constitution d'un grand Tibet démilitarisé qui aurait constitué un quart de la Chine, ce qui était... Ils veulent une grande partie du territoire, parce que ça on ne dit jamais, en fait c'est des expansionnistes. Ce qui était totalement inacceptable pour... C'est peut-être intéressant pour Washington, ça, justement, de prendre un morceau du territoire de la Chine. Quand on voit c'est un peu l'idée de faire un Israël au milieu de l'Asie, là. Quand on voit maintenant ce qui se passe à ce qu'ils appellent le Turkestan, le Xinjiang, en Mongolie intérieure, et à Taïwan et à Hong Kong maintenant, on se rend compte que les problèmes géopolitiques...
Vraiment, oui, on va d'ailleurs dans un prochain Michel Midi parler de la question des Ouïghours. Je reviens sur la question du génocide culturel. Est-ce qu'on peut répondre avec des faits concrets? J'ai ici une photo d'une école. Qu'est-ce qu'il en est de l'alphabétisation et de la scolarité au Tibet? Eh bien, le Tibétain est obligatoirement enseigné à l'école primaire pour tous les petits garçons et les petites filles tibétains. Bon. Il est encore largement pratiqué dans l'état à l'école secondaire et également à l'université du Tibet à Lhasa. Alors je trouve c'est assez aussi étonnant de voir que les occidentaux prétendent que le Tibétain est menacé lorsque on voit le sort qui est réservé aux langues minoritaires dans nos pays dits libéraux. Donc en fait c'est plutôt le contraire, parce que avec l'ancien régime du Dalai Lama et de ses amis, il y avait très peu de Tibétains qui allaient à l'école pour apprendre Évidemment, la langue. C'est ça le paradoxe de voir les exilés tibétains maintenant se plaindre du sort de la langue tibétaine, alors que lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'est-à-dire avant 1950, l'immense majorité, la très grande majorité des Tibétains étaient analphabètes. D'accord. Alors, on va parler aussi de la question de la religion. On nous dit qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer leur religion, qu'il y a une persécution. Ici, on voit... on peut expliquer ce qu'on voit sur la photo? C'est un moulin à prière. C'est ça. On voit ici deux pèlerins qui font le tour du Barkhor. C'est-à-dire un circuit qui entoure le temple du Dzogchen à Lhasa. Ils sont en train de brandir d'actionner le moulin à prière. Ils ont un chapelet à la main et ils remplissent une des circumambulations que souvent pratiquées. Ce sont les rituels religieux là-bas. Et donc ils font ça dans la rue et apparemment ils n'ont pas l'air stressés. Et en plus, c'est vrai qu'il y a eu persécution religieuse, ça, il faut le savoir. À quel moment? Du temps de la révolution culturelle. Et même, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que la religion était... Donc à l'époque, 66, 68... C'est ça. À ce moment-là. Mais c'était dans le cas dans toute la Chine, je pense. Il y a eu une persécution avec la révolution culturelle. Bien. Alors, sur le plan économique, est-ce que le pays est modernisé? Est-ce qu'il y a un développement? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ceux qui ont été au Tibet il y a 30 ans ne reconnaissent plus le pays. La progression économique et sociale est fulgurante. Et on fait quoi pour développer le Tibet? Quelles sont les industries? Il y a certainement des extractions minières, ça c'est certain, parce qu'il y a pas mal de richesses minières au Tibet. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le développement des énergies douces. L'ensoleillement au Tibet, c'est un des pays les plus ensoleillés au monde. Ça veut dire qu'ils ont des fermes photovoltaïques énormes. Sur les hauts plateaux, il y a aussi beaucoup de vent, comme on le voit ici. Je crois que c'est dans la province de Nakshu, dans la préfecture de Nakshu. Il y a aussi les barrages et l'énergie hydraulique. Le tourisme est très important. Et de plus en plus, les nomades, les semi-nomades sont... parce que les pâturages sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas extensibles, et que la population augmente, et la population des yaks augmente aussi, les gens sont invités à diversifier leurs activités économiques. Et donc il y a des aides pour que l'économie puisse... Des Tibétains dans nos pays se plaignent d'être des assistés, que leurs concitoyens sont des assistés. Parce que, de fait, Pékin dépense des sommes énormes en subventions pour le développement économique de la région. Ben c'est clairement tout le contraire de ce qu'on nous dit. Je voudrais bien revenir sur l'aspect international.
On nous dit que le Dalai Lama est quelqu'un de pacifiste et que c'est un message de paix. Est-ce qu'on peut commenter la photo où on le voit ici avec un certain président des États-Unis qui n'était pas vraiment un pacifiste là? Ben non, mais écoutez, Donc le fils Bush, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. mais c'est vrai que dans son langage, et dans c'est vrai que le Dalai Lama il délivre souvent un message pacifique. Il est souriant, il a un charisme qui fait qu'on a envie. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que. Bon, d'abord, la non-violence, comme on l'a vu précédemment, n'était pas celle, on l'a vu avec les images du jeune Dalai Lama passant en vue des troupes. Oui, on a aussi cette image-ci qui est assez surprenante. On voit quoi sur l'image là, André? Eh bien, ça se passe en avril 2008, à l'occasion du passage de la flamme olympique à Paris. Une jeune athlète chinoise handicapée, donc qui Oui, a on voit perdu une qu'il lui manque une jambe, jambe, oui. qui portait une flamme, plusieurs manifestants, entre guillemets, pro-Tibet, l'ont molestée. Sont venus l'attaquer, Oui, carrément. handicapé sur sa chaise et Oui, attaqué. Pas hyper pacifiste. non, bien sûr. Et. Bien, on et a, oui. Oui, et toujours à propos de cette non-violence, lorsque des dignitaires, parce qu'il y a aussi l'ambiguïté, est-ce que le Dalai Lama fait croire que les Tibétains sont tous non-violents, mais lorsque le président des Youth Tibetans, donc des jeunes Tibétains, déclare que pour lui, tuer un Chinois, c'est pas un problème. Ah oui. Au lieu qu'il soit désavoué par le Dalai Lama, ne dit rien, parce qu'il sait bien que si il désavouait ce personnage important, il perdrait la crédibilité aux yeux de ses Donc c'est coreligionnaires. un menteur. C'est un champion du double langage. D'accord. Une autre photo ici, on va rappeler pour les jeunes avec quel grand pacifiste le Dalai Lama se trouve ici. À droite, c'est qui? Ben c'est Jörg Haider. Décédé maintenant, mais qui était un nostalgique du Troisième Reich et qui a été élu en Carinthie, je ne sais plus en quelle année, mais Qui bon. était dirigeant du parti fasciste autrichien C'est dans les ça. années 90, je C'est ça, pense. oui. Et donc là, il sympathise avec le grand pacifiste progressiste. Oui, bien sûr, il y a d'autres mauvaises fréquentations qu'on peut retrouver. Il suffit de chercher un peu sur Internet, on le voit chaleureusement manifestant ses sentiments chaleureux vis-à-vis de Bruno Beger, qui est quelqu'un qui a commis des crimes à Auschwitz notamment, on le voit. Oui, il avait dans ses comme formateur Et alors, un criminel nazi. il avait Heinrich Harrer, qui était un célèbre alpiniste autrichien, et qui, à la suite de circonstances romancées, est devenu son précepteur. Et alors, moi je veux bien que le jeune Dalai Lama n'était pas au courant de ça maintenant, mais il ne peut pas ignorer aujourd'hui le passé de ces gens, mais ça ne l'empêche pas de manifester son attachement. Et quand on lui demande, oui, mais les Tibétains ont toujours été pour les opprimés et les Allemands ont assez souffert comme ça. Donc, D'accord, d'accord. c'est assez renversant parce que c'est. On est un petit peu interrompu, j'avais oublié de débrancher mon téléphone, pardon. Oui, donc il fréquente vraiment du vilain monde. Ben oui, et alors, oui, Ok. c'est comme ça. Je suppose qu'on a un problème technique, peut-être qu'on ne capte plus pour le moment, mais on est à bientôt terminé. On aura, si, on voit encore bien. Alors, Nes Messa dit, si je comprends bien, le Tibet est un levier pour l'OTAN contre la Chine. Un peu maintenant, comme pour l'Iran, on commence à parler de communautés d'origine africaine du sud du pays. Que le Tibet sert pour l'OTAN de levier contre la Chine. Oui, c'est sûr.
Ok. Je vérifie le son, je vois qu'on nous suit. Bien. Finalement, ce qu'on a eu ici à propos du Tibet, ça ressemble beaucoup à un film Hollywood, ça ressemble à du storytelling. De fait, les films qui ont paru, qui sont sortis d'Hollywood, que ce soit Scorsese ou Jean-Jacques Hano ou quoi, participent tous de cette vision tout à fait fausse d'un Shangri-La, d'un royaume mythique où tout serait beau, tout serait gentil, mais et même dans la BD, hein, de Cossé, enfin, dans ce sens-là aussi, il y a une espèce de. Oui, c'est la version C'est la mainstream, la version propagande n'est mainstream, absolument c'est ça. pas C'est ça. questionnée. Oui. Bien, qu'est-ce que, pour conclure, qu'est-ce qu'il faudrait recommander aux gens qui nous écoutent, qui vont nous suivre, par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'informer. Mmh. S'informer. Et lire aussi peut-être, il y a des grands ouvrages qui ont été publiés. Alors, on va justement parler de ça. Tout d'abord, je recommande Dharamsalad, Les masques tombent. Je le mets un petit peu hors du reflet, comme ça, voilà. C'est un petit bouquin, c'est rapidement lu, c'est pas cher, c'est 8 euros et des poussières. On a ici la couverture et la quatrième de couverture. Vous pouvez le commander aux éditions Almaté. À Malte. À Maltais, je Oui, m'excuse, qui oui. sont là sur la quatrième de couverture. Vous pouvez le commander aussi chez l'auteur dont vous voyez ici l'adresse mail. Et Voilà. dans les bonnes librairies aussi. Et il est dans toutes les bonnes librairies. Oui. Parfait. Alors, André avait amené avec lui une documentation importante qu'on va vous présenter pour ceux qui veulent creuser le sujet. D'abord, il y a Albert Ettinger, Bataille tibétaine et Tibet paradis perdu. Voilà, ça c'est deux ouvrages beaucoup plus Costaud, hein? costauds. Oui. Pardon. Qui m'ont d'ailleurs en partie aidé à rédiger ma petite plaquette de Ramsalade, parce que ça, c'est Voilà, c'est un peu vraiment l'ouvrage de référence. également. Peut-être qu'on l'accueillera un jour, les prochains mois. On a eu aussi Elisabeth Martens, c'est déjà un peu plus ancien. Histoire du bouddhisme tibétain et la compassion des puissants. Donc, c'est un peu l'analyse du rôle de la religion là-dedans. Il y a eu la même Elisabeth Martens et Jean-Paul de Simpelard, qui est un ami que j'ai connu, qui est malheureusement décédé. Un petit bouquin chez Aden, Tibet au-delà de l'illusion. Alors, c'est un ami, un des collaborateurs, animateurs du site Le Grand Soir que nous aimons bien, Dalai Lama Passizen. De Maxime Vivas, c'est chez Max Milo. Et c'est très bien écrit en Et plus. c'est bien écrit, oui, Maxime était vraiment un beau poète. Et alors, il y a des choses un peu étonnantes, parce que ici en Occident, on a la version, massivement, la version occidentale officielle. Et là, je vois un drôle de titre, J'entends battre le cœur de la Chine, alpiniste et diplomate. Vous voyez un peu la photo que je vous mets là. Hop. Et c'est quoi ça, André? Mais Qui a écrit c'est en ça? fait c'est Serge Koenig qui était à ce moment-là vice-consul de France à Chengdu et qui a comment c'est un grand alpiniste de renommée mondiale et qui a fondé une école d'alpinistes pour jeunes tibétains. D'accord. Et alors, Et il raconte son expérience et simplement, il bat en brèche une série de clichés également. C'est très Ok, intéressant. donc vice-consul de France à Chengdu, donc c'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui dément la réalité. Nous avons ici alors Tibet, combat pour la vérité contre la désinformation. J'essaie de vous le mettre avec moins de reflets. Il y a du beau soleil qui est arrivé pour la première fois dans cette semaine pluvieuse. Ça, c'est étonnant aussi. Bernard Maréchal, c'est qui? C'est un nom d'emprunt. C'est un pseudo. Oui. J'ai appris que c'était un officier supérieur de l'armée française et qui n'a
publié son ouvrage très intéressant, que sous un pseudonyme, sans dit long également, sur le poids du lobby Free Tibet. Combat pour la vérité contre la désinformation. Et donc là, c'est aussi quelqu'un qui est bien placé pour voir qu'on est en train de nous mentir officiellement. Et alors, justement, dans la ligne de ce poids, moi j'ai toutes les peines du monde à publier ma traduction de la biographie de Tashi Tereng en anglais de Struggle for Modern Tibet. Oui. Et donc, ça a été traduit en français. C'est vous qui avez fait ça chez Golias. Oui, oui. Mon combat pour un Tibet moderne. C'est qui, Tashi Tereng? Tashi Tereng, c'est un Tibétain né en 1929 qui aurait dû rester un petit paysan analphabète. Mais il avait, tout petit, il voulait apprendre à lire et à écrire. Il n'y avait pas d'école dans son village. Mmh. Et alors, quand il avait 10 ans, il était recruté par les émissaires du Dalai Lama pour servir de danseur dans la troupe de danse sacrée du Dalai Lama. Mmh. Au grand désespoir de ses parents, parce que bon, c'était perdre un fils peut-être pour tout. Mais lui, il était tout heureux, tout petit gamin, parce qu'il arrivait dans la grande ville et il a pu, comme ça, apprendre à lire et à écrire. Mmh. Et alors, à la suite, ça mériterait une émission. Il faudra aller regarder le bouquin chez Golias, combat pour un Tibet moderne. Mais à la suite de circonstances assez extraordinaires, quasi roman, il a pu aller aux États-Unis. Et le paradoxe, c'est que c'est aux États-Unis, qui venait juste de sortir du maccartisme, qu'il a pris conscience que son pays, le pays qu'il venait de quitter, le Tibet, était une théocratie féodale, et que les nations occidentales qui avaient aussi connu un Moyen-Âge théocratique étaient devenues des États modernes. Et alors, persuadé de ça, il a dit, moi je suis en train de perdre mon âme ici à Seattle, où il était bien intégré. Il est rentré en Chine pour se mettre au service de son peuple, et par malchance, il est tombé juste au moment de la révolution culturelle, si bien qu'il a fait des années de prison. Et alors, une fois réhabilité après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, il a repris contact avec ses anciens condisciples de Seattle, dont un certain Melville Goldstein, qui entre-temps était devenu, le plus grand tibétologue au monde. Et il a persuadé Goldstein que ce serait intéressant que son histoire soit racontée. Et c'est cette histoire que, moi, en la lisant en anglais, j'ai dit, mais enfin, comment est-ce possible que ça n'ait pas été traduit en français? Et je m'y suis mis, alors que je n'avais aucune... Je n'avais, en fait, de traduction, je n'avais encore fait jusqu'alors que des versions latines ou grecques. Bon, je m'y suis mis, et finalement... Ben voilà un très bel exemple, parce que nous, on n'arrête pas de dire ici que c'est à tous les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, de s'engager dans la bataille de l'info. Donc voilà un bel exemple de, justement, faire les choses par soi-même. Je crois qu'on va prendre conclusion ici. Je signale que Farid dit, espère avoir une autre mission ou vision peut-être sur les musulmans chinois. Et effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'on va avoir de prochain Michel Midi sur les Ouïghours en Chine, sur Israël, sur la Côte d'Ivoire, sur Haïti, sur Trump, Macron et l'OTAN. Voilà, donc à partir de janvier, on va avoir de bons sujets. Et alors, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les Ouïghours comme musulmans en Chine, il y a aussi les Roués, qui sont bien intégrés au point qu'il y a deux... Mosquée. D'accord, mais ça, ce sera l'émission. Ça, ce sera l'émission la prochaine fois. Parce que sinon, on a tellement de choses passionnantes à raconter qu'on ne va jamais pouvoir aller manger. La semaine prochaine, je serai avec vous pour un dernier Michel Midi avant les congés, avec Maurice Lemoine, qui a travaillé longtemps au monde diplomatique et qui va nous parler de la Bolivie et du coup d'État épouvantable qui s'est passé là et la désinformation sur la Bolivie. On parlera bien entendu aussi un peu de l'Amérique latine. Donc rendez-vous mardi prochain pour un Michel Midi qui, à mon avis, sera très très intéressant aussi. Alors, je vais vous demander
2 secondes de votre, 2 petites minutes encore de votre attention, parce que Investigaction, vous êtes nombreux à nous dire que vous appréciez le travail qu'on fait. On est en survie financière, ça il faut le savoir, et nous avons lancé pendant le mois de décembre une campagne d'appel au soutien financier pour nous aider à engager une personne en plus pour développer le travail d'Investigaction. Et donc je vous demande de prendre 2 minutes de votre temps de midi pour regarder la vidéo qui va vous être présentée maintenant. C'est très court. Après, vous avez 2 adresses utiles. Je vous remercie pour votre attention. Merci André pour cette visite, voyage passionnant au Tibet et à la semaine prochaine sur la Bolivie. Bon, première assiette. 15 ans déjà. Ça commence à compter. Bon, la santé, ça va pas trop mal et j'espère rester de longues années le poil à gratter des élites et des lobbies. Mais la fatigue est là quand même. Et surtout, je veux préparer l'avenir. Il faut qu'Investigaction puisse continuer après moi. Vous êtes nombreux à nous dire combien vous avez besoin de cette arme dans la bataille de l'info. Le capitalisme vert, c'est une arnaque. Il n'y a pas de solution dans le système. Investigaction existe depuis 15 ans déjà, contre la guerre, contre les médias mensonges, contre toutes les injustices, pour le droit à l'info. J'ai été accusé par monsieur Oh, je vous accuse pas du tout. d'être. Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagarde, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot au Moyen-Orient. Les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. On ne peut pas. Investigaction, c'est toute une équipe. Aujourd'hui, nous avons 3 permanents. Greg est le rédacteur en chef du site, responsable de la newsletter. Un pionnier, il est là depuis 10 ans déjà. David édite nos livres Investigation et grâce à lui, notre édition s'est fameusement développée pour vous apporter des livres permettant de comprendre les enjeux économiques et stratégiques, les médias mensonges, l'histoire et son impact actuel. Federica se charge de nous faire connaître, malgré la censure, d'organiser des conférences et de grands débats, développer les contacts avec vous, notre public, nos sympathisants. Nous avons aussi 2 correspondants à Caracas, Ricardo et Jessica animent le journal Amérique latine en résistance. Investigation, c'est donc une belle équipe de permanents, mais aussi de très nombreux bénévoles, et sans eux, nous ne pourrions pas exister. Mais nous avons quand même un grand problème financier. Tout d'abord, Investigation veut engager un ou une secrétaire, mais pour embaucher, nous devons absolument augmenter notre budget. Aidez-nous à garantir l'info indépendante en devenant amis d'Investigaction. Le don mensuel nous garantit des revenus stables pour embaucher de jeunes journalistes. Le don ponctuel soutient un projet précis. Vous pouvez bien sûr choisir votre mode de paiement préféré. Nous comptons sur vous. La bataille de l'info, ça ne sera pas du gâteau. D'avance, un tout grand merci.